Est-ce que tu es avec la bonne personne? C'est peut-être une question que tu te poses maintenant, parce que peut-être tu t'engages ou tu vas t'engager avec la personne. Ou peut-être encore célibataire et tu cherches une personne et tu peut-être t'as quelqu'un en vue et tu te demandes si c'est la bonne personne. Alors j'aimerais juste dans cette vidéo te donner quelques petits conseils pour savoir si c'est la bonne. Donc déjà, premièrement, si tu es chrétien, est-ce que cette personne est chrétienne? Mais pas juste chrétienne de bouche, mais est-ce qu'elle a le même cœur que toi pour Dieu? Ça, c'est super important. Une personne qui peut se dire croyante, mais qui n'a pas du tout la même culture ou pas du tout les mêmes aspirations, ça risque d'être compliqué pour la suite. Tu vois, moi, avant d'être croyant, je voulais pas du tout de fille chrétienne parce que ça m'intéressait pas, parce que je savais qu'elle allait me prendre la tête avec des histoires de Dieu. Mais quand je suis devenu chrétien, et ben là, je voulais plus des filles qui n'étaient pas croyantes, je voulais que des filles qui avaient le même cœur que moi, parce que je savais que j'allais construire quelque chose, et que pour moi, Dieu est devenu ma source, ma priorité, ma vie. Et si la femme avec laquelle je suis ne comprend pas que j'ai besoin de passer du temps avec mon père, ça va être compliqué. Si elle est jalouse de Dieu, ça va être compliqué, tu vois. Non, au contraire, il faut qu'elle soit dans l'acceptation de ça, mais aussi qu'elle soit encourageante là-dedans. Tu vois, et c'est pareil pour la vision, c'est pareil pour ton appel. Si par exemple, tu as un appel, je sais pas moi, sur les, on va dire une bêtise, avec les pauvres ou avec les orphelins, et qu'elle, les pauvres, ça la, tu vois, l'odeur, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui, tu vois, qui la repousse, ça va être compliqué d'être ensemble pour faire des choses. Faut pas oublier que le mariage, c'est une union. C'est, on va ensemble dans la même direction. Alors, ça c'est super important. Déjà, est-ce qu'elle met Dieu en premier dans sa vie, et est-ce que vous avez la même fibre spirituelle? Est-ce que ça bat de la même manière dans vos cœurs? Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être différentes. Moi, pendant des années et même encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne croit pas forcément pareil sur des petits détails avec ma femme, mais sur l'essentiel, on est aligné. Sur l'essentiel, on est sur la même longueur d'onde, tu vois, sur la profondeur qu'on recherche, sur la mort à soi, sur Christ en nous. On veut vivre la vie de Dieu, on veut vivre, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que les gens autour de toi pensent de cette personne? Est-ce qu'ils t'encouragent? Est-ce qu'ils te disent, ouais, franchement, elle est comme ça, tu vois? Ou alors, non, non, franchement, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, tu vois? Aimer des gens que tu as dans le cœur et que tu, jusqu'à maintenant, étaient comme des conseillers ou étaient comme des mentors spirituellement, si d'un coup, t'es mentor, commence à te dire ou attention, attention, et que toi tu es là en mode ah non, 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 moi j'y vais quand même parce que mon cœur me dit, mais ne fais pas confiance à ton cœur. Ça, c'est une grosse bêtise, ne fais pas confiance à ton cœur. Dans Ecclésiaste 6, au verset 9, ils nous disent que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. Donc, sois plus dans le fait de voir la personne, de la voir aussi telle qu'elle est, tu vois, dans toutes les dimensions de sa vie, de percevoir ce qu'elle est, plutôt que de te faire agiter par tes désirs, que tes désirs t'animent, parce que les désirs, un jour ils vont être comme ça, et un jour ils vont être comme ça, tu vois. Donc, sois plutôt dans la perception de la personne. Et aussi, ça je reviens là-dessus, mais on dit, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Mais toi, demande-toi, est-ce que tu es la bonne personne pour elle? Est-ce que, si par exemple, elle ne changeait jamais, là, maintenant, telle qu'elle est, est-ce que tu vivrais quand même toujours avec elle? Tu vois, et ça révèle un peu l'état de ton cœur, ça révèle l'amour que tu as pour la personne. Bien sûr que tu peux croire dans son changement, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent t'énerver chez la personne, mais même si elle ne changeait pas, est-ce que tu l'aimerais telle qu'elle est maintenant et si elle restait comme ça pour toujours? Ça, c'est une super bonne clé à savoir. Est-ce que la personne est prête à changer? Ça, c'est super important. Si tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas prêt à changer, bah là, c'est compliqué. Parce que, tu vois, c'est marrant, ça fait le parallèle avec ce que je viens de dire. C'est que, oui, d'un côté, tu dois l'aimer même si elle ne changeait jamais. Mais de l'autre côté, on doit avoir des cœurs qui sont prêts à changer. Tu vois ce que je veux dire? On doit avoir personnellement, et c'est pour ça que je disais, est-ce que tu es la bonne personne et est-ce que tu es prêt toi-même à changer? Est-ce que tu es prêt à faire des efforts? Est-ce que tu es prêt à te faire éduquer? Est-ce que tu es prêt à te faire aiguiser? Parce que le faire aiguise le faire.
Donc forcément, il va y avoir des changements. Si tu savais les changements qui ont été opérés depuis que je connais ma femme, ça fait 10 ans de relation. Oh là là, mais c'est incroyable tout ce qui a pu être changé et tout ce qui va encore changer parce que on est transformé de gloire en gloire, tu vois. Et on va de victoire en victoire et partout où il y a eu de la défaite, il va y avoir de la victoire. J'espère que ça va te donner aussi un peu plus de discernement. Mais surtout, ne laisse pas l'agitation de ton cœur te guider, mais perçois, vois déjà toi, dans ton cœur, où t'en es, et l'autre, où elle en est dans son cheminement, et te précipite pas. Te précipite pas. Si t'as une conviction de sur-avance, mais ne te précipite pas, parce que la précipitation nous fait toujours tomber. Sois béni et renouvelé.